En fait, ici, vous êtes dans une pépinière qui fait de la revente. Donc, ils achètent à différents producteurs eh bien, des lots de genévrier, des lots d'ormes, des petites choses, hein, par exemple, des petites choses comme ceci. Voilà, ici, des petits ormes, etc. Alors, c'est très, très bien entretenu, hein, ils produisent pas. Eux, ils vont pas faire de production pure, mais comme on a pu le voir dans la pépinière tout à l'heure. Là, on a des lots et ils font que de la revente, par exemple ici. Des petits. Alors ça, c'est les genévriers avec une hybridation particulière. Non. Non, non, c'est pas le même travail que les pépinières d'à côté. Là, il y a du genévrier chinensis derrière, là. Regarde ces petites pièces là qui sont superbes. Hein. Ouf, là, on va s'approcher d'un pin blanc. Ouf. Une petite merveille. Hein? Une petite merveille, ce petit pain blanc là. Ouais, il est bon, beau. Ah oui, il est beau. Alors, petit pain blanc, c'est une boutade, hein, puisque là, alors je vous montre ma main. Voilà, le double de ma main. Et la première branche ici, c'est la taille de mon poignet. Hein, ouais, c'est à peu près ça. L'autre au-dessus d'ailleurs est magnifique aussi. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des gros arbres déjà ici. Voilà. Il y a quelques genévriers. Par exemple celui-ci. Des plantes aussi d'accompagnement, j'en vois quelques-unes. Le lilas des Indes. On reconnaît pas mal d'essences. Hein. On a de l'if. Alors là c'est le bac. C'est pas le bacata celui-là. C'est le cuspidata, je crois bien. Un petit peu de tout en fait. Vous trouvez ici. Il y a de tout. De tout. Du genévrier. Avec des petites cultures, vous avez à la fois des petites cultures comme ceci là. C'est vraiment le début du genévrier. Puis après, vous pouvez aussi trouver des pièces comme ceci. Il ne faut pas se tromper dans les pépinières. Il y a des pépinières, c'est des bijoux, les arbres que vous avez trouvés. Puis il y a d'autres endroits où c'est, on va dire, moins intéressant. Ce qui n'empêche pas quand même de trouver de petites choses relativement sympas. Alors moi, je fais le tour un petit peu hein, de la pépinière. Voilà, là vous avez quelques shishigashira, très sympa, ouais, ça peut être bien. Alors, est-ce qu'il y a quelques prix indiqués? Non. Des ormes aussi, je vois. Et derrière, des charmes. Ah ouais, petite forêt de charmes ici. Voilà, encore des ormes. Vous avez aussi, oh, c'est des petites choses très sympas comme ça-ci. Petite plante d'accompagnement de bambou. Comment tu trouves cette pépinière, celle-ci, par rapport à l'autre qu'on a vue? C'est pas du tout le même travail. Pas du tout le même travail. Hein. Ils font pas la même chose. Non. On va dire, on est. C'est pas comparable en fait. C'est pas comparable. Voilà, c'est pas comparable. Eux, ils font du tout venant, ils vendent un petit peu de tout. Là, ouais. C'est de la revente, c'est pas du tout pareil. On trouve des arbres de toutes les tailles. Alors, c'est toujours très bien entretenu. Oui. C'est soigné comme travail, il y en a partout, mais c'est pas non plus du travail de très haute qualité, c'est pas de la très très grande précision. Et ils ont du tout aussi, c'est-à-dire qu'ils ont des arbres de 80 cm. 50 cm, 30, et on trouve du Shoin jusqu'à 20, même plus petit, voilà, vous pouvez trouver aussi du Mamet, etc. Sur un orme de Chine, tu achètes ça, tu es obligé d'avoir une dizaine d'années de travail derrière. Tout à fait. Voilà, en ramification fine, etc. C'est pas du tout, c'est pas comparable. Là-bas, tu achètes un arbre, tu arrives en France, tu vas à la première exposition, tu mets ton arbre et il est top. Quoi. Ah oui, là, c'est vrai que c'est pas pareil. Quoi. Voilà, en tout cas, c'était une petite visite d'une pépinière de revente, puisque là, on ne peut pas parler de pépinière de très haute qualité. Mais néanmoins ils ne produisent pas du tout. Aussi. Ça reste quand même intéressant comme travail. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une question. Comme d'habitude, je vous réponds. On se retrouve dans une prochaine pépinière. C'est parti. Arigatou gozaimasu. Toujours dire merci quand on s'en va d'une pépinière, bien entendu.